C'est l'heure du goûter pour Daily. La nouvelle pensionnaire d'Elephant Haven a 39 ans, fait 3,7 tonnes, est originaire de République tchèque et s'est très vite adaptée à son nouvel environnement. Ça va bien, hein? Elle ouais. est très à l'aise, elle est totalement différente que Gandhi. Oui, elle se balade, elle se découvre sans souci. Hein? Gandhi est la nouvelle colocataire de Delhi. C'est la première que le sanctuaire des éléphants a recueillie. Arrivée en octobre 2021, elle était le seul pachyderme présent jusqu'alors dans le Limousin. Pour le moment, la communication n'est pas optimale entre les deux animaux. Elle a connu plus de 20 éléphants et la relation avec les autres éléphants n'était pas toujours bien. Ouais. Donc elle avait beaucoup de discussions. Elle a beaucoup de bagages. Oui, elle a beaucoup de bagages. Donc elle a peur, elle voit c'est qui Delhi et je dois partager tout maintenant. Et, ouais. Donc elle est un peu nerveuse. L'acclimatation entre les deux éléphants d'Asie pourrait prendre quelques mois, voire un an, ce qui est normal selon les soigneurs. Tous les jours, chacune d'entre elles est douchée, reçoit des soins spécifiques et mange environ 10 kg de fruits et légumes locaux. Elle préférait surtout le pastèque, ça c'est sûr. Il y a des choses qu'elle n'a pas préférées et ça c'est les courgettes par exemple. Aujourd'hui, le sanctuaire des éléphants compte seulement 2 pensionnaires, mais à long terme, ses fondateurs souhaiteraient accueillir 8 spécimens pour créer une nouvelle famille.